c'est dans le cadre d'un tournage pour l'émission Chasseur de trésors que je me suis rendu pour la première fois chez Didier. À l'occasion de ce séjour, j'avais découvert que la maison de famille dans laquelle Didier habite pouvait être un endroit particulièrement intéressant d'un point de vue paranormal. Un an plus tard, j'allais donc revenir dans cette maison avec mes caméras pour l'émission Chasseur de fantômes. Plusieurs éléments troublants vont ponctuer mon enquête sur place. Mais la découverte, au matin, d'une porte qui se serait ouverte seule pendant la nuit reste à ce jour un des événements les plus énigmatiques auxquels j'ai pu être confronté ces 5 dernières années. J'ai toujours pensé revenir un jour dans cet endroit afin de tenter de comprendre ce qui avait pu se produire et tenter pourquoi pas d'en découvrir plus. Le temps passant, c'est seulement pratiquement 2 ans plus tard que je vais enfin revenir dans la maison de Didier. Les fantômes existent-ils vraiment? Ou sont-ils seulement le fruit de notre imagination, de nos croyances et de nos peurs? Équipé de mes caméras et de mon matériel, je me rends seul dans des endroits oubliés, des lieux historiques ou des habitations susceptibles d'être le théâtre de phénomènes paranormaux. Et je tente de faire la part des choses entre la réalité et l'illusion, entre la croyance et la connaissance, entre la superstition et la vérité. Je m'appelle Gus DX et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Alors, je suis arrivé chez Didier, le courant est revenu dans la maison. C'est dans le grenier que j'ai installé tout ce qu'il faut pour faire une séance de spiritisme, une séance de Ouija. Je m'appelle Guillaume, je suis avec Alexis, Emma et Didier. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On verra, et c'est trop tôt pour commencer à tirer des... George James. Deux fois HS. Tu vois? L'ordinateur. Le fog. Si on va faire un tour dans la maison, là maintenant, est-ce qu'on va trouver l'objet? Parce que je vous ai demandé de le mettre en évidence. Est-ce que vous avez pu le faire? Didier? Oui. On a trouvé une pièce dans ta chambre. Ça fout là, ça. C'est 10 centimes. Je crois que ça aurait été quand même incroyable qu'on trouve quelque chose sur le sol. Et ça aurait même été flippant. Ouais. Donc on met un terme à cette soirée Ouija autour de... dans le grenier en fait. À demain. Cette nuit, rien, c'est pas, rien de particulier pour vous? Gros dodo. D'accord. Ah oui, ok, moi non plus, rien de particulier. Mon matériel de surveillance vidéo est installé, ça a été un petit peu long à mettre en place. Didier m'a aidé. Didier qu'on voit d'ailleurs juste ici, il est assis là en fait, il m'attend. Si tu veux bien, on va se déplacer ensemble dans la maison. Ok. Allez, c'est parti. Didier est en train de monter à l'étage, il va essayer de reproduire enfin ce qu'on entend quand il y a ces bruits de pas. Ça m'a fait partir tout de suite pour m'apercevoir qu'il n'y avait personne. J'aurais pu allumer là. Non, mais ça va, j'ai la lampe qui éclaire. On est d'accord? Ouais, j'ai entendu un boom. Ce qu'on va faire, c'est effectivement descendre. Oui, je vais fermer à clé, parce qu'on savait qu'on ne l'a pas fait. On va rester très vigilant. De toute façon, à partir de maintenant, je laisse filmer les caméras de surveillance. La nuit est tombée déjà. Et je pense qu'on va se restaurer. Déjà? Je sais pas. Et puis après, je pense que je vais réellement commencer mon enquête. Oui, je vais te laisser. Voilà. Et je vais rester seul dans cette maison
avec tous les bruits bizarres. Mais putain, si t'as peur, tu me rappelles. Bien sûr. Avant de prendre le temps de nous restaurer, je vais d'abord préparer la suite de mon enquête en installant mes équipements un peu partout dans la maison et principalement dans la salle à manger, pièce dans laquelle je projette de mener une séance d'écriture automatique. Au fur et à mesure de la soirée, je vais ressentir une sorte de malaise grandissant dont je vais faire part à mon hôte. Va s'en suivre une longue discussion dans laquelle nous allons tenter de comprendre cet état déstabilisant dans lequel je me trouve désormais, un état qui pourrait m'handicaper pour la suite de la soirée. Nous allons conclure qu'après une courte nuit et deux longues journées, la fatigue accumulée me joue certainement des tours, et nous allons donc prendre le temps de nous restaurer et de nous détendre un peu avant que je ne me retrouve seul dans la maison et que je ne poursuive réellement mon enquête. Malgré ce long moment de repos et de convivialité qu'aucun bruit ni aucun événement particulier ne viendra troubler, l'état de malaise inconfortable que je ressens depuis plusieurs heures ne m'a pas vraiment quitté. Il va pourtant falloir que je poursuive mon enquête. Il est 21h42 quand Didier quitte sa maison, me laissant désormais seul avec mes caméras. Maison, Didier vient de partir. Je suis pour le moment au QG. Toutes les caméras installées dans les différentes pièces de la maison sont en train de filmer. Et je compte pas rester ici à surveiller cet écran. L'enregistrement est en cours, donc de toute façon ça filmera de manière constante jusqu'à ce que je parte, jusqu'à demain. De la même manière, j'ai des enregistreurs audio qui sont en train de faire deux prises de son. Un enregistreur se trouve dans le grenier, donc dans cette pièce, et l'autre se trouve juste là, enfin on le voit pas loin d'ici, au rez-de-chaussée. Donc on a un enregistreur audio tout en haut de la maison, et un autre tout en bas. Dans l'immédiat, ce que je vais faire, moi, c'est rejoindre cette pièce, qui est donc la salle à manger, et je vais m'y installer pour tout de suite. Tenter une expérience d'écriture automatique, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté il y a 2 ans, et j'avais un peu paniqué à partir du moment où j'ai eu le sentiment, l'impression que qu'il commençait à se passer quelque chose, que ma main prenait de la vitesse, commençait à peut-être écrire quelque chose, n'était plus vraiment sous mon contrôle. J'avoue que ça m'a fait paniquer, et je me souviens d'être ressorti de cette expérience plutôt exténué. C'est pour ça que je commence par ça ce soir, tant que j'ai encore un petit peu d'énergie. Donc on va s'installer dans la salle à manger que je suis en train de rejoindre. Voilà, on a un enregistreur numérique juste là pour faire une prise de son de l'ensemble de cet étage. Et donc ici, alors je vais laisser allumer pour le moment, je n'immerge pas forcément dans le noir. Je ne veux pas me mettre en difficulté par rapport à cette expérience. Je vais tenter de la mener dans des conditions plutôt confortables. Pas besoin de se mettre la barre trop haut, pas besoin de me bander les yeux, pas besoin de me retrouver dans le noir. Donc le temps de poser la caméra que j'ai dans la main, d'allumer les quelques appareils que j'ai prévus, et je vous retrouve. Alors, je viens d'éteindre la caméra, je pense pas que ça l'a enregistré, mais j'ai rien fait depuis que je vous ai quitté. J'ai une porte qui vient de claquer juste là. C'est un sketch. Je promets, ça va pas, là. Regardez, on va le voir. Les battements sont à 100. Et j'ai la chair de poule. Oh, la peur que je viens de me faire, ça doit être un courant d'air. Alors depuis tout à l'heure, il s'est rien passé. Ça fait... J'étais avec Didier, on a pris le temps de manger, de discuter, il s'est rien passé. Ah, je suis pas bien. Oh la vache. C'est pas vrai.
c'est pas vrai. Alors, je suis dégoûté, j'ai éteint la caméra, je crois, au moment où la porte... Je pense que c'est cette porte, le son venait de là. C'est une blague. Oh! Alors déjà, je vois que la fenêtre est ouverte. Faut voir si ça se reproduit. Donc il y a peut-être un courant d'air, mais avec quoi? Je laisse comme ça, je vais voir. Je pense que c'est cette porte, hein, ça venait de là. Ça venait en tout cas par ici. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre porte là qui serait... qui se serait fermée. C'est une blague. Je suis pas bien du tout. C'est horrible. Alors déjà, je vous le dis, hein, il fallait que je prenne un peu sur moi. Didier est parti. J'en ai eu une discussion juste avant. Je lui ai expliqué que je me sentais pas complètement serein. Oh, mais c'est génial. C'est génial. Ça va arrêter de capturer par ça. Oui, le son va être enregistré par l'enregistreur numérique. On a la porte qui se claque. Mais ça peut être un courant d'air. Si ça se reproduit, on saura que c'est un courant d'air. Ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Et puis il y a cette caméra qui a dû me filmer. La caméra qui est là a dû filmer ma réaction. Oh purée. Sauvé, c'est vrai. Je suis con. J'ai éteint cette caméra, mais j'ai cette caméra qui filme là. Et j'ai l'enregistreur numérique. Mais ça a claqué d'une force. Juste pour voir si ça peut être ça. Elle s'est fermée, quoi, pour le coup. Ouais, ça peut tout à fait être ça. Je sens beaucoup d'air, hein, qui passe. Hein. Forcément, la fenêtre est ouverte. Bon, on va voir. Je la laisse comme ça pour voir si ça se reproduit. J'ai presque envie d'appeler Didier pour lui en faire part, savoir si ça peut arriver, si selon lui c'est possible. Il a dû aller aux toilettes avant de partir. Il a laissé la porte ouverte. Et avec le courant d'air, elle s'est fermée. Je vais l'appeler. Je vais quand même lui téléphoner pour savoir ce qu'il en pense. C'est chaud. Ouais, Didier? Eh ben écoute, j'étais en train d'expliquer que j'allais faire de l'écriture automatique. Je rentre dans la salle à manger et j'explique que le temps de mettre en place ma caméra et de me poser, d'allumer les appareils, je reprends l'enregistrement après. Donc j'éteins la caméra et là il y a la porte, il y a une porte qui a claqué mais fort. Mais hyper fort, j'en ai eu mais la peur de ma vie, quoi. Et donc, heureusement, c'est enregistré par... Enfin, on me verra réagir par la caméra de surveillance et par l'enregistreur numérique qui est dans le rez-de-chaussée, qui va enregistrer le son. Et je pense que c'est la porte des toilettes qui s'est fermée, que t'as peut-être mal fermée en partant. Et comme la fenêtre est ouverte... ça a pu faire un courant d'air et ça l'a pu la claquer. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça pourrait être possible? D'accord, donc c'est le courant d'air. Bon, t'imagines l'état dans lequel ça m'a mis quand même. Ok.
La fenêtre dans les toilettes. Un sas, ouais. Ok. Il faut que ce soit... Ah, mais d'une force, mais violemment. Clank, un truc de dingue. Et alors, moi, là, tu vois, je l'ai réouverte, justement, entrouverte, pour voir si ça allait se reproduire, et pour le moment, ça ne s'est pas reproduit. Ça n'a pas à nouveau claqué. Mais si tu veux, reviens, et on regarde ça tout de suite ensemble. Franchement, si tu reviens maintenant, ce sera plus simple pour moi de te le montrer tout de suite, et que tu vois que c'est pas... Écoute, reviens, je veux bien que tu reviennes, pas que j'ai peur, tu repars ensuite, mais je voudrais te montrer, d'accord ? A tout de suite, à tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté, je ne coupe pas l'enregistrement, et je vais tout de suite... Alors, c'est très possible, courant d'air... Je vois pas pourquoi, parce qu'il faudrait que ce soit ouvert ailleurs. C'est ça le problème. Pour que la porte se ferme avec un courant d'air, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose d'ouvert ailleurs dans la maison. C'est ça, en gros, ce que me dit Didier. C'est pour ça que ça me surprend. Il peut y avoir des courants d'air, des portes qui se claquent dans cette maison, mais il faut qu'il y ait... Et moi, je sens pas de courant d'air. Depuis tout à l'heure, je sens pas de courant d'air. Et pourtant, la porte est ouverte. Didier arrive. Donc je coupe pas. On va tout de suite se rendre à l'endroit où il y a le DVR, donc l'enregistreur qui est relié aux caméras de surveillance. Et on va tout de suite aussi écouter le son qui a été enregistré. Voilà, sur l'enregistreur. C'est l'occasion unique de montrer que j'ai pas inventé, enfin que c'est pas que c'est pas truqué, j'ai pas approuvé, voilà. Ouais, Didier, je suis en train d'expliquer que là, en fait, ce qui est génial, c'est pour ça que je voulais que tu viennes tout de suite, oui. C'est qu'il vient de se passer cet événement, qui est peut-être tout à fait explicable. Oui. Pourquoi pas, oui. Mais... je pense que ça peut être très, très... Franchement, je commence et j'ai une porte qui claque, quoi. Enfin, on a passé la journée ensemble, c'est pas arrivé. Pourquoi ça se passe maintenant ? Je sais pas. Alors que je disais aux gens, avant que tu partes, on a eu une longue discussion, je t'expliquais que j'étais pas à mon aise complètement. J'avais vraiment pas besoin de ça. C'est pour ça que je viens. Donc, l'enregistreur numérique, tu vois, je l'ai lancé juste avant. Oui. Donc là, on est à... Attends, faut que je tienne la caméra. Là, on est à... 16 minutes, donc je stoppe. Ah oui, d'accord, pour le remettre, d'accord. Et on va essayer d'écouter le passage. Alors. Parce que le problème, c'est que en fait, ce qui est fou, c'est que j'arrive là, donc j'explique, je dis, bon, ben, l'instant de temps de mettre en route les caméras, lancer le matos, et je vous retrouve. J'arrête l'enregistrement, et là, clank ! J'ai rallumé tout de suite l'enregistrement, pour dire, là, il vient de se passer un truc de dingue, je suis pas bien. Battement de mon BPM à 100, tu vois. Alors attends, est-ce qu'on va l'entendre, j'espère. C'est parti. Alors ça va être plus loin, je pense. Attends. Tu mets en pause pour te mettre dessus ? Ah non, je suis en train de revenir là, chaque fois. Tu peux monter de... Ah oui, ouais, c'est super. Je sais plus quand j'ai lancé exactement. On va essayer de trouver le passage où je suis en train de parler. 15 minutes, c'était il y a quoi ? Il y a 5 minutes ? Allez, on va remonter loin, parce que là, ça saute beaucoup plus tard. Et on ira voir la caméra de surveillance après. Caméra de surveillance ? Ouais. Mais... Elle va avoir filmé ma réaction. Ah oui, d'accord, oui. Et en fait, parce que j'ai rien, là, si le son est arrivé au moment où j'arrête la caméra. Ah. La force qui se claque. Ah. C'est ça qui m'écœure. Ah oui, tu veux dire que tu vas... Il n'y a rien là-dessus qui le montre. Ah, tu vas être obligé de bloquer le... Je sais pas. Ouais, t'as intérêt à aller... Donc là, je recorde pour montrer que c'est pas... voilà, c'est l'occasion de montrer que c'est pas... J'ai pas le choix, puisque c'est pas enregistré, là. Alors, je vais te dire une chose, c'est possible que ça claque, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre. Mais oui, c'est ce que tu m'as expliqué, c'est ce que je pense aussi, c'est qu'il faudrait qu'il... Ce matin, ça a claqué quand j'ai ouvert, moi, pas tout de suite d'ailleurs, quand j'ai ouvert la porte de la cuisine. Donc ça a créé un courant d'air. Mais
Je voudrais entendre parce que normalement, avant de claquer... Je pose la caméra parce que j'ai mal au bras. Ouais. Elle est très lourde. C'est ça. Modifie mes jeux en plus. T'as la chance, t'es bien tombé. Je te laisse. Attends, je m'entends parler, je sais pas ce que je raconte. Mais là, tu l'as rouverte ? Oui, je l'ai rouverte pour voir si ça allait se reproduire. Si elle a à nouveau se refermer, je pense qu'elle était ouverte pour claquer. Mais je sens pas de courant d'air particulier. Est-ce qu'il y a eu un coup de vent plus fort à un moment ? Je peux pas te dire, moi j'étais plus loin, donc j'étais pas à côté. Je peux pas te dire. Oui, alors Didier s'est garé beaucoup plus loin sur la route. Oui, je suis à 200 mètres, 300 mètres. Voilà, donc le projet c'est qu'il passe 2-3 heures dans sa voiture. Ce genre de bruit, c'est ce que j'ai moi de temps en temps. Et ça me fait lever pour aller fermer la porte. Mais elle s'est claquée d'un seul coup. Elle s'est claquée au point qu'elle s'est fermée. Hein. Alors moi, ce que je voudrais, c'est juste entendre si on n'entend pas avant ce que tu viens d'entendre. Tu sais ? Ah, ça y est. Ouais. Donc, la salle à manger que je suis en train de rejoindre. Voilà, on a un enregistreur numérique juste là pour faire une prise de son. Là, je suis ici. Ouais. L'ensemble. Là, je suis en train de dire que je ne vais pas mettre en difficulté, que j'ai besoin d'être serein, tu vois. C'est quoi ce bruit ? Ça, c'est un peu ce kick. Ah non, c'est pas possible. Chut. La violence de la porte. Mais on devrait l'entendre battre avant. J'ai pas ce flanc d'un coup sec comme ça. Je suis désolé de te dire. Voilà, donc voilà ce que vous avez raté, ce qui s'est passé au moment où j'éteins la caméra. En plus, comme si on attendait que tu... comme si on attendait. Et puis surtout qu'on attendait que je commence réellement l'enquête. Je suis en début de réellement d'enquête, tout seul, enfin dans la maison. Ça fait pas longtemps que t'es parti. Tu viens de partir. Je ne suis pas bien, là j'ai des frissons, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Non mais... J'en ai marre, je suis très sincère. C'est vrai ? Là, oui. je ça me met très très... En fait, j'ai l'impression que, je te le dis, Alors voilà, c'est enregistré, d'un point de vue son, c'est cool, on a le son ici. Parce que sur le moment, j'étais dégoûté, je me suis dit, je n'ai pas d'enregistrement. Je n'ai rien sur ma caméra. Oui, tu c'est après en me disant « Ah mais oui, ça va être enregistré là-dessus. » Et alors attends. Il n'y a pas de caméra sur le truc. Ça c'est précieux. Et donc si... Alors là, on va pas voir la porte se fermer. Non mais on va te voir... Mais on va me voir réagir. Et on va voir que je fais rien quoi. Alors... Oh la vache. Ce qui m'inquiète c'est qu'il n'y a pas d'annonce... J'ai pas vu de truc sur la caméra. Non, ça va aller, je pense. Alors, donc là, c'est en train d'enregistrer. J'arrête tout. Arrêtez l'enregistrement. Je vais pas pouvoir me détendre, là. C'est fou. Parce que même si c'est un courant d'air, c'est juste la coïncidence. La coïncidence, je vais être grossier, dégueulasse, de me faire ça à ce moment-là, quoi. J'avais pas besoin de ça. On en a parlé avant. T'as vu l'état dans lequel j'étais. Ouais, c'est vrai. Les portes, chez toi, les portes, c'est en plus, je t'avais dit que j'entendais... C'est un calvaire pour moi, quoi. Tu te souviens que je t'avais parlé de la porte qui claquait ? Oui, en plus, tu me parles de porte qui claque et tout. Oh non. Que ça m'est arrivé. Je sais. Alors, je sais très bien que ça se trouve, c'est explicable, hein, qu'il n'y a rien de paranormal. Je veux bien l'entendre et que c'est un courant d'air. Mais là, ça me met juste absolument pas dans un état... Moi, j'ai pas... Non, mais ça suffit. Entre le tableau qui est tombé hier, enfin, j'ouvre la porte, le tableau est par terre... Enfin bon, allez, tout peut s'expliquer, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup.
Guillaume, on est là pour avoir des témoignages. Ouais. D'accord. Alors attends. Donc là, on va aller sur... Lecture. Non. Non. Menu principal. Tu peux revenir recherche. Là. Oui. Alors j'espère que ça va l'avoir fait. Alors là, t'es... Ah oui, d'accord, t'as 20. Oh putain, on me dit pas que ça n'a pas enregistré. Ne me dis pas ça. Faut que ça ait enregistré. Par exemple... Bah, à quelle heure? Il est 21h. Oh, 21h passé. Il est déjà 22h, mais je suis planté sur l'heure. Donc là, 20h... 22h, ça doit être par là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, on est encore ensemble. Ensemble, on mange. Merde. Ça va pas l'avoir pris. Je pensais avoir arrêté. Oh, on n'est pas très loin. Hein. Voilà, t'es tout seul. Je sais pas. Bordel. Faut retrouver ça, c'est chaud. Faut que je réfléchisse. Pourquoi j'ai pas toutes les caméras? Voilà. Bon. Voilà, c'est là. Donc là, je suis en train d'expliquer, voilà. Donc, et ça va être raccord avec ce qui est ici. Ça, c'est génial, c'est raccord. Ah non, là, je suis en train d'expliquer que le bruit a eu lieu. Là, ça a eu lieu. C'est cool, c'est enregistré. Ah, attends, on reprend. Oui, je suis désolé d'être dans cet état. Hein. Voilà, là, j'arrive, je viens de dire ça enregistre. J'arrive ici en disant, voilà, donc on va pas se mettre en difficulté, pas de masque, rien, je laisse la lumière allumée. Ah, tu veux faire le raccord avec le son de la... On va faire, oui, on va pouvoir faire un raccord sur tout ça. C'est génial. Heureusement, les caméras de surveillance, meilleure idée. Et surtout de... Alors attention, attends, tu vas voir. Je l'éteins, et hop. Et tu te dirais, et tu regardes vers le couloir. Et voilà, et la porte a claqué. Et là, je sais plus quoi faire. On dirait que t'es figé. Mais complètement. Mais tu imagines bien. Et tu rallumes, t'as le réflexe. Et là, je viens de relancer la caméra pour dire, voilà, il vient de se passer ça. Super. Oh. Oui, enfin, ça te guérit pas de ton état. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais la maison, elle est là pour toi. Pour te donner... Alors c'est pas... C'est la violence, c'est ça. Forcément un courant d'air. Mais c'est pas... C'est fort, quoi. Dans le sens où... Alors, pour tout vous expliquer, je suis assez mal à l'aise dans la maison. C'est peut-être lié au fait que ce que j'y ai vécu il y a 2 ans. Mais j'ai le sentiment que c'est un peu peut-être autre chose. J'en sais rien. Je sais que c'est barge. Et ça, j'en avais pas besoin. Ce qui vient de se passer là, j'en avais pas besoin au début d'enquête. On est quatre. On était quatre hier soir. On a été deux toute la journée. Tu t'en vas, et il se passe un truc que j'aurais souhaité, ne surtout pas souhaité. Alors je sais, on va dire, mais en même temps, t'es là pour ça. Non, je suis pas là pour que d'un coup une porte claque violemment alors que je me retrouve seul dans une maison qui n'est pas la mienne. Enfin, tu vois, c'est... Non, puis moi, la maison, je lui demande pas ça. Je lui demande de faire d'autres témoignages. Après, si je dois relativiser, effectivement, la fenêtre dans cette toilette est ouverte. Oui. Mais... Elle aurait été fermée, ça aurait été encore différent. Là, mais là, ça permet de penser qu'effectivement, la théorie du courant d'air tient la route. Mais pour un courant d'air, il faut qu'il y ait une ouverture ailleurs. Et c'est ce qui m'est arrivé cet après-midi en ouvrant la... Tu as des carreaux cassés par endroits. Non, c'est pas suffisant. Non, ils ne sont pas cassés au point de... De laisser pouvoir... Ah non, puis non, tu les as calfeutrés en plus. On les a calfeutrés. Ouais. Non. Ah, je suis content, vive l'enregistreur numérique. Oh. Bon, très bien. Mais tu continues? Je te vois assez... Je fais une pause, je fais le point avec Didier, il faut que je réfléchisse. Là, ça m'a mis vraiment pas bien, je te promets. Hein. Pourtant, j'en ai vu, hein. Mais là, en fait, je pense que c'est totalement explicable, évidemment. Je pense que c'est un courant d'air. Le seul problème, vous doutez bien que quand vous commencez une enquête, vous vous apprêtez à faire une séance d'écriture automatique, que vous retrouvez seul dans une grande maison... et que c'est le début et que d'un coup, dès le départ, on entend un bruit comme ça, même si l'explication est rationnelle et possiblement rationnelle, ça fait un choc. Donc je vais juste prendre le temps de m'en remettre. C'est la concordance en fait. Et je vais continuer, mais je vais prendre 5 minutes. Je prends juste 5 minutes. C'est le timing qui est bizarre. Ouais. Je vais juste prendre 5 minutes. Ça tombait pas au bon moment. C'est ouf. C'est complètement dingue.
Ce qui est complètement dingue, c'est que l'événement qui vient de se produire arrive précisément au mauvais moment, me projetant immédiatement dans un état de torpeur et de nervosité dont je me serais volontiers passé. Cette porte, qui claque violemment, va me plonger dans un état de peur et d'incompréhension que je n'avais pas ressenti depuis longtemps lors d'une enquête. Étant en train d'arrêter ma caméra, à mon grand désarroi, je vais immédiatement penser que rien de tout cela n'a été enregistré. Je vais finalement me rappeler avec soulagement que j'ai d'autres enregistreurs actifs dans la maison, que la scène a donc forcément été capturée et que je vais pouvoir la reconstituer. Voici l'intégralité de ce qui vient donc de se produire, filmé par la caméra que je tiens dans la main, par la caméra de surveillance postée dans la salle à manger, est capté par l'enregistreur numérique posté dans le salon. Et donc ici, je vais laisser allumer pour le moment, je n'immerge pas forcément dans le noir. Je ne veux pas me mettre en difficulté par rapport à cette expérience. Je vais tenter de la mener dans des conditions plutôt confortables. Pas besoin de se mettre la barre trop haut, pas besoin de me bander les yeux, pas besoin de me retrouver dans le noir. Donc le temps de poser la caméra que j'ai dans la main, d'allumer les quelques appareils que j'ai prévus et... Je vous retrouve. Alors, je viens d'éteindre la caméra, je ne pense pas que ça a enregistré, mais j'ai rien fait depuis que je vous ai quitté. J'ai une porte qui vient de claquer juste là. C'est un sketch. Ah, je promets, ça va pas. Par chance, mes différents appareils ont donc capturé cet instant que nous allons pouvoir presque immédiatement revoir et réécouter avec Didier. Pour lui, ce qui vient de se produire n'est pas impossible. Mais pour que ça puisse avoir lieu, il aurait fallu qu'une autre porte donnant sur l'extérieur ou une fenêtre ait été ouverte ailleurs dans la maison, ce qui dans le cas présent n'est absolument pas le cas. En visionnant les images filmées par l'ensemble des autres caméras de surveillance, on observe qu'aucun mouvement ou changement particulier ne s'est produit dans les espaces surveillés au moment où cet événement a lieu. Une porte qui tremble, une fenêtre qui bouge dans une autre pièce, un rideau qui s'agite ou un objet qui vacille auraient pourtant permis de valider définitivement la présence d'un fort courant d'air dans la maison à ce moment précis. Malheureusement et bien évidemment, aucune caméra n'était postée en direction des toilettes et la fermeture de la porte n'a pas été filmée. Aujourd'hui encore, Didier et moi ne comprenons pas vraiment comment un courant d'air suffisamment important pour entraîner la porte en la faisant claquer aussi fortement a pu se créer dans ces conditions. Pourtant, le courant d'air reste l'explication la plus évidente, et le fait que cet événement se produise au moment où je me retrouve seul dans la maison n'est a priori que le fruit du hasard. Après nous être longuement interrogés sur ce qui vient de se produire, et après avoir pris le temps de me tranquilliser un peu, Didier va de nouveau quitter sa maison, me laissant à nouveau seul dans les lieux. Je vais pouvoir reprendre mon enquête là où je l'avais laissée, m'installant dans la salle à manger pour mener une séance d'écriture automatique comme je l'avais initialement prévu. La porte et la fenêtre des toilettes sont toujours ouvertes. Nous verrons bien si elles claquent de nouveau. Alors, Didier vient de repartir. Donc comme tout à l'heure, il est resté pas très loin de la maison. Je lui avais demandé de pas trop s'éloigner. Il est à 200-300 mètres. En contrebas du chemin qui permet d'arriver à la propriété. J'ai un peu de mal à m'en remettre, vous voyez, je suis dans le rouge. Je suis à 115 battements par minute, ce qui est assez élevé. Mais je vous cache pas que je suis... J'ai un petit peu de mal à redescendre après ce qui s'est passé. C'est dur. Donc je vais demander de partir pas trop loin à nouveau, si... C'est rare que je sois dans cet état-là, mais depuis hier, la maison m'a mis assez mal à l'aise. Il ne s'est rien passé de si d'impressionnant, mais je lui ai expliqué tout à l'heure que je me sentais pas très bien au fil de la journée. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Hein. Et l'événement qui s'est produit, cette porte qui claque, même si effectivement c'est totalement explicable et qu'il n'y a rien de paranormal, ça reste... Alors... Grosse réaction de K2, mais mon multifeed réagit aussi. Donc en fait, ça, c'est, on le voit, radiofréquence. C'est les radiofréquences, donc c'est du Wi-Fi ou de la 4G. J'ai le téléphone qui est juste là.
pense que voilà. Je l'ai pas rééteint puisque je l'avais utilisé pour appeler. Je vais. Voilà, normalement ça ne devrait plus se produire. Donc que des choses explicables, mais qui mettent mal à l'aise. Principalement une porte qui claque de cette puissance. C'est fou. Alors, je vais tenter. Alors, on a Kinect qui est en face de moi. Là, ce que vous avez, c'est mon squelette. Kinect, comme je l'ai déjà expliqué hier lors de la séance de Ouija, j'ai un peu de mal avec cet appareil. Bien entendu, c'est une invention pour le jeu vidéo qui a été utilisé ensuite dans Paranormal Activity, donc dans un film, et ensuite réutilisé pour la chasse aux fantômes. Donc l'origine et l'utilisation est déjà, enfin on va dire douteuse, mais pourquoi pas si effectivement un squelette venait à traverser la pièce derrière moi, pourquoi pas, puisqu'en fait Kinect utilise des capteurs infrarouges. Là autour de moi il doit y avoir des milliers de points blancs qu'on voit pas. Il faudrait utiliser. Vous allez les voir si je me mets en infrarouge. Tiens, je vais mettre cette caméra en infrarouge, celle-ci. Voilà, vous voyez maintenant tous les points que projette Kinect dans la pièce. On va rester comme ça. Donc je me lance dans une séance d'écriture automatique avec sans artifice, sans forcément d'appareil particulier. Je ne vais pas mettre de masque. Voilà. Et je vais tenter d'aller au bout de ça. Il va falloir que je réussisse à vraiment me détendre et ça va être peut-être le plus compliqué. Juste une dernière chose, la maison est truffée de pods, il y a le térémine qui est tout en haut, dans le grenier, des capteurs de mouvement, tout un tas d'appareils censés sonner ou s'allumer, même si chacun d'entre eux, et on peut remettre le fonctionnement, l'utilisation de la chasse fantôme de chacun d'entre eux, on peut le remettre en cause et en question, je les utilise quand même, je les ai posés, on ne sait jamais si quelque chose devait s'allumer ou s'éclairer, et était enregistré, ce serait quand même assez incroyable et ce serait dommage de passer à côté. Juste aussi, je vous le montre, j'ai cette planchette qui fonctionne un peu comme la Ouija, c'est-à-dire qu'on pose ses mains dessus. Il y a deux petites roulettes et ici la mine d'un stylo. Ça permet en fait de faire de la Ouija en solitaire et de. Si on se laisse suffisamment aller, si on est suffisamment détendu, ce qui n'a absolument pas gagné, je crois que je ne vais pas réussir à me calmer, c'est ce que le papa Didier utilisait en fait, c'est ce genre de choses, ce genre de technique pour faire certaines de ses séances de spiritisme. Je vais me permettre d'ailleurs une chose avant de commencer. Je voudrais m'adresser en toute humilité au papa de Didier. Si les propriétaires de la maison, anciens propriétaires, le veulent bien, l'acceptent. Vous avez beaucoup pratiqué l'écriture automatique et le spiritisme. J'aimerais solliciter votre aide ce soir pour moi-même peut-être réussir dans cet exercice. Si vous m'entendez et si vous pouvez peut-être me rejoindre ou m'assister dans cette démarche, j'en serais ravi.
Mes battements cardiaques se sont calmés. Je suis à 90 battements par minute. Je vais essayer de m'apaiser. Donc, fermer les yeux et respirer doucement. Oui. En espérant qu'il n'y ait pas une porte qui claque violemment à nouveau. Après ce qui vient de se produire, et à cause de cet état dans lequel je me trouve depuis quelques heures, je vais avoir énormément de mal à canaliser ma pensée et mes émotions. Comme la maison est extrêmement calme, qu'il n'y a pas un bruit et que je baigne désormais dans une profonde sérénité, je vais progressivement réussir à m'apaiser, à faire plus ou moins le vide dans mon esprit et à laisser le stylo que je tiens dans la main filer doucement sur le papier. Je vais ainsi commencer à tracer des formes et des lignes sans pour autant me sentir guidé par quoi ou par qui que ce soit. Je vais m'efforcer de ne pas trop regarder et de ne pas être à l'origine de ce qui pourrait éventuellement s'écrire sur la feuille. Ainsi, c'est dans le plus grand des calmes, sans être distrait à aucun moment, que je vais pouvoir m'adonner pendant pratiquement une heure et demie à l'exercice de l'écriture automatique. Une longue séance dont vous ne verrez qu'un accéléré, et dont je vous épargnerai le visionnage complet tant cela aurait été long et fastidieux à regarder. Et puis, ce sont surtout les résultats obtenus qui sont réellement importants. Mais dans le cas présent, ces derniers ne vont malheureusement rien révéler de particulièrement intéressant. On pourrait interpréter certains de mes gribouillis et y voir des semblants de lettres ou de mots, mais si l'on reste objectif, ce que je vais écrire avec le stylo ou la tablette n'a rien de très spectaculaire, et ne révèle rien qui puisse laisser penser qu'un esprit ou une âme défunte en soit à l'origine. Si de mon côté, je vais avoir par moments le sentiment que quelque chose dirige peut-être un peu mon bras, je ne peux exclure qu'il puisse s'agir de mouvements psychomoteurs, ou d'un état proche de l'hypnose ou de l'auto-persuasion dans lequel je suis peut-être rentré. Quoi qu'il en soit, je ne suis personnellement absolument pas convaincu par les résultats que je vais obtenir, et plus largement par cette expérience à laquelle je vais finir par mettre un terme. Alors, il est 23h45. J'hallucine parce que j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je suis là, en train de faire ça. Et ça fait en fait une heure et demie. Je pense en rester là pour le moment. Je vais... je sais pas ce que je vais faire. Je suis dérouté. Je suis très détendu, très calme, très serein, très dans un état vraiment bien. Il n'y a aucun souci. En plus, la maison est calme et... Ça se passe bien. J'hésite à poursuivre l'enquête avec Didier, c'est-à-dire à lui proposer de venir. Et à ce qu'on peut-être déambule ensemble dans la maison. Le pauvre est dans sa voiture maintenant depuis 2 bonnes heures. Il fait froid, il pleut. Non, ce que je vais peut-être faire, c'est une petite déambulation solitaire dans la maison, en votre compagnie, en sollicitant à d'éventuelles entités. Et puis je lui proposerai de se joindre à moi pour une dernière partie d'enquête, peut-être. J'aimerais beaucoup faire à nouveau de la spirit box dans l'ancienne chambre de sa sœur défunte, donc au dernier étage de la maison, là où j'avais, il y a presque 2 ans, obtenu des résultats singuliers. Allez, on va faire ça. L'heure tardive, le manque de sommeil, le calme ambiant et cette longue séance d'écriture m'ont plongé dans un état presque second. Et c'est au ralenti, un peu comme dans un rêve, que je vais récupérer mon matériel et que je vais éteindre toutes les lumières du rez-de-chaussée, plongeant l'ensemble de la maison dans une totale obscurité.
Après m'être équipé de ma caméra déportée, je vais rejoindre le hall d'entrée et m'installer courageusement face à l'escalier qui dessert le premier étage. Je vais immédiatement avoir l'impression de revivre ma première enquête dans les lieux. En effet, 2 ans plus tard, me voilà donc de nouveau dans le noir, seul, face à la maison. Donc, me voilà, 2 ans plus tard, quasiment 2 ans plus tard, dans l'entrée de la maison de chez Didier, après avoir mené une expérience autour de la Ouija hier soir, après avoir mené une expérience autour de l'écriture automatique ce soir, je vais, comme je disais il y a deux ans, déambuler un peu avec. Alors j'ai ici une sacoche avec quelques appareils, mais je vais déambuler dans la maison et tenter, bien pourquoi pas, d'être le témoin d'événements qui pourraient être surprenants, comme la porte qui a claqué tout à l'heure, même si une explication rationnelle, logique, est tout à fait envisageable. On va voir si ce soir, eh bien, j'obtiens des résultats. Alors, je ne me suis pas vraiment présenté depuis que je suis arrivé ici, mais vous me connaissez peut-être. C'est la 3e fois que je viens dans cette maison. C'est la 3e fois que Didier, qui vit ici, m'invite à séjourner ici. Alors, j'ai cru entendre une espèce de couinement, mais ça, je ne sais pas si ça vient pas de ma gorge. Au moment où je parlais. La première nuit que j'ai passée dans cette maison, j'ai eu une sensation de présence. J'ai même imaginé ou pensé voir une femme en noir dans la chambre dans laquelle j'ai dormi. Et ça m'a pas mal troublé. Quelques temps plus tard, je suis venu faire une enquête ici, c'est-à-dire tenter de communiquer avec d'éventuels esprits qui habiteraient les lieux, habiteraient cette maison. Et, entre autres choses, pendant mon sommeil, la porte de ma chambre s'est ouverte. En tout cas, moi, je l'ai retrouvée ouverte au matin et on l'entend s'ouvrir pendant la nuit. J'ai des frissons terribles. C'est certainement et tout simplement le fait de me remémorer ces souvenirs-là. J'aimerais que ce soir, vous manifestiez à nouveau si ce que je pense avoir expérimenté était lié à votre présence et à d'éventuelles manifestations de votre part, ce qui n'est pas, peut-être pas le cas. Donc j'aimerais que vous vous manifestiez, bien entendu si vous êtes d'accord, et que vous vous approchiez de moi, vous pouvez me parler, vous pouvez me... Vous pouvez apparaître, vous pouvez faire du bruit, vous pouvez déplacer quelque chose, vous pouvez faire ce que vous pouvez, ce que vous souhaitez. Là, on a un détecteur de mouvement. C'est une lampe qui s'allume quand elle détecte un déplacement. Cette petite chambre. Alors, je crois que je suis fatigué, je ne tiens plus debout. Hein.
Ça va être très très difficile de poursuivre. Cette petite chambre est vraiment, je trouve, fait partie vraiment des pièces les plus flippantes de la maison. Mais ça tient au fait principalement que le papier peint a été enlevé et que les murs sont très austères en l'état. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison ? Est-ce que vous êtes là ? Excusez-moi de vous déranger. Didier m'a permis de rester seul ce soir un moment. Principalement pour que je puisse rester avec vous. Vous êtes peut-être des membres de sa famille, ou d'anciens propriétaires, ou d'anciens habitants des lieux. J'ai conscience d'être chez vous. Et c'est justement vous que je souhaite rencontrer ce soir. Est-ce que vous acceptez ma présence ? Pour me répondre, vous pouvez faire un bruit, par exemple, un coup, par exemple, contre un meuble, une paroi, une porte, le sol. Est-ce que vous m'entendez ? Le bruit du parquet est terrifiant dans cette pièce. Je vais passer en night shot. Pratiquement dans le noir, il y a juste la petite lampe qui éclaire mon visage, hein, qui envoie un petit peu de lumière, principalement sur moi et derrière moi. Mais devant moi, c'est pratiquement la pénombre totale. Je suis dans une chambre qui a eu pendant un moment la réputation d'être hantée. Des bruits de pas ont résonné alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur, en tout cas personne de vivant. Si celui ou celle qui hantait les lieux le souhaite, le désire, le peut, eh bien, je l'invite à me signifier sa présence. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous manifester maintenant, là, tout de suite?
continuer ma déambulation. Mais c'est le. Je me suis tout le temps à voir par les détecteurs de mouvement en fait. C'est terrible. Alors derrière cette porte, c'est une salle de bain. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que je suis tout seul ? Bruit à ma droite, mais je pense que c'est le plancher. Ou l'armoire, du fait que je marche dans la pièce, ou que je suis dans la pièce. Pouvez-vous apparaître ? Ou faire du bruit ? Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait vous satisfaire ? Souhaitez-vous peut-être tout simplement que je ne mène pas cette enquête, ce que j'appelle une enquête, en tout cas mon travail d'interpellation ce soir ? Est-ce que vous voulez que je vous laisse tranquille ? C'est très, très, très calme. Il n'y a pratiquement... Enfin, il n'y a aucun bruit. J'entends absolument rien de particulier. Je me sens plutôt bien, plutôt paisible. Mais je vous cache pas qu'il suffirait d'un rien pour que ça change. C'est pas simple. Très étrange en fait de regardez, non, je sais pas si vous allez voir, je vois mon visage dans le miroir qui est juste en face de moi. Je me suis fait peur moi-même, non pas que je sois effrayant, enfin je ne pense pas, mais ça m'a fait bizarre. C'est très étonnant, oui, 2 ans après, ou pratiquement 2 ans après, de déambuler dans un même endroit, parce que j'ai l'impression que c'était hier. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression de le redécouvrir totalement avec un regard neuf. C'est très étonnant. Juste là, il y a un pod qui est posé et qui n'a, je crois, je pense, pour le moment, en tout cas je ne l'avais pas entendu, qui n'a pas retenti. Alors en face de moi, la chambre dans laquelle j'ai dormi cette nuit, dans laquelle j'ai dormi il y a les deux fois précédentes où je suis venu, et devant moi la porte qui s'est ouverte pendant la nuit, toute seule. En tout cas, a priori, toute seule.
Il y a quelqu'un ? Il y a des petits bruits en bas, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est quoi ce bruit ? C'est assez infime, il faut que j'aille voir. J'en ai rallumé ma torche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est quoi ce bruit ? C'est des petits craquements infimes. Je connais pas tous les bruits de la maison, il y a beaucoup de bois. Donc évidemment. Alors cette pièce est assez incroyable. Didier a stocké ici beaucoup de souvenirs de famille, bien beaucoup d'objets entreposés par les différentes personnes de sa famille qui ont habité ici. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que des parents de Didier peuvent venir jusqu'ici me répondre ? Je vais rester quelques minutes en bas, dans cette pièce où sont entreposés souvenirs de famille, meubles, bibelots et autres affaires personnelles. Mais je ne vais rien entendre de particulier. Je découvrirai plus tard que les sons qui avaient attiré mon attention sont à peine audibles sur la piste audio capturée par l'enregistreur numérique posté dans le salon. Si j'ai eu le sentiment que ces bruits provenaient du rez-de-chaussée, a priori, il ne s'agissait donc que d'une impression. N'entendant plus rien, je vais finalement rejoindre l'étage que j'avais précédemment quitté. Alors on a remarqué une chose avec Didier, c'est que la porte de la chambre dans laquelle je dors, que le bois est moins gonflé. Vous voyez, il y a un peu de jeu. Quand on la bouge comme ça, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 2 ans, je crois, à vérifier, en tout cas c'est ce que m'a dit Didier, il y a 2 ans, il n'y avait pas ce jeu. Elle me paraissait plus facile à fermer qu'il y a 2 ans. C'est là que j'ai passé la nuit. Il ne s'est rien passé de particulier. Rien d'effrayant, rien de surnaturel, pas de porte qui s'ouvre. J'ai par contre peu dormi, mais c'est plus à cause de l'état un peu d'excitation dans laquelle je suis, étant en enquête, et forcément je cogite dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Est-ce qu'il y a une dame ? Une femme ? Qui serait peut-être venue me voir à plusieurs reprises ? C'est mon intuition, mais elle est peut-être totalement fausse. Hein. Je m'autorise ce genre de choses. Hein. J'ai le sentiment que s'il devait y avoir un esprit, un fantôme ici, ça pourrait éventuellement plutôt être celui d'une femme. Bonjour madame, accepteriez-vous de venir me voir dans cette pièce ?
juste là. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais c'est une salle de bain. Tout simplement. Voilà, avec une douche, et des toilettes, et un lavabo. Petite pièce d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? On me raconte que cette maison est vivante, qu'il y a des habitants invisibles, des personnes vous ressentent. Moi-même, j'avoue que par moments, j'ai eu des sensations particulières. J'ai, je pense, peut-être expérimenté des choses étranges ici. Est-ce que ce soir, il est possible, à nouveau, que vous vous manifestiez, que vous vous montriez, que vous participiez à cette soirée avec moi? Pas évident d'évoluer dans la pénombre. Alors ici, je ne sais pas si je peux y aller. J'y avais été, je me souviens bien. C'est quoi ce bruit? Si c'est moi qui fais ces coups. Ah oui. C'est moi en marchant sur les marches. Là, on a un grenier aussi. Alors, il va faire froid. Un air frais qui s'engouffre. Et en venant ici, on se retrouve sur les toits, sous les toits. Et si vous écoutez bien, exactement comme il y a 2 ans maintenant, pratiquement 2 ans, on entend une chouette. Je vais rester un moment dans les combles. Mais en dehors du ululement d'une chouette, rien ne viendra perturber le calme et le silence des lieux. Je vais donc quitter l'endroit et rejoindre l'autre grenier qui est la dernière partie de la maison dans laquelle je ne me suis pas encore rendu ce soir. C'est dans la pièce où nous avons pratiqué la séance de Ouija que je vais poursuivre mes interpellations. J'ai installé sur la table de cette pièce un instrument de musique qu'on appelle un thérémine qui peut réagir tout simplement quand on s'en approche et quand on bouge à côté, à sa proximité. Est-ce que vous pourriez vous en approcher et jouer de la musique à votre tour, s'il vous plaît ? Un peu comme je viens de le faire. Alors, il faut savoir aussi que cette pièce a été la chambre d'un jeune couturier que la famille de Didier a hébergé pendant un temps. Un jeune couturier, j'espère ne pas dire de bêtises, qui a travailler pour Karl Lagerfeld, il me semble. Karl Lagerfeld, c'est pas évident à dire. Karl Lagerfeld, et
qui apparemment avait beaucoup, beaucoup de talent et de compétences dans le domaine de la couture et de la création. Alors, si des personnes ont vécu dans cette pièce et m'entendent et ils sont peut-être attachés ou ont peut-être des souvenirs à partager, n'hésitez pas à rejoindre l'endroit et à jouer de l'instrument qui est posé sur la table. Ça me permettra de savoir que vous êtes là. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je sais, c'est le fait de me remémorer la séance d'hier. Alors ici, on a 9 degrés en moyenne. Il fait 9 degrés dans cette pièce, 9-10. Donc il fait un peu plus frais et le temps que cette fraîcheur m'envahisse, ça peut expliquer le frisson un peu que j'ai eu l'espace d'un instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi au dernier étage de la maison? Est-ce que vous m'entendez? Alors, sur la table, là, j'ai déposé un pod qui peut bien évidemment sonner. On a aussi une caméra. La caméra est là-bas, hein. Caméra de surveillance. Et là, l'enregistreur numérique qui fait des prises de son normalement depuis tout à l'heure, il fonctionne encore. Alors, bonsoir madame. Je ne sais pas si on a eu l'occasion réellement de se rencontrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je suis venu ici il y a quelque temps dans votre chambre et j'ai le sentiment personnel qu'un contact avec vous s'est peut-être opéré. Je me trompe très probablement. Et vous êtes la seule personne qui est en mesure de me le faire savoir. Je suis dans votre chambre. Je m'adresse bien évidemment à la sœur de Didier, je me permets ça, c'est un petit peu délicat. J'aimerais savoir si vous allez bien. Et je pense que Didier serait content aussi de le savoir. J'ai un gros frisson, à nouveau. En même temps, il fait peut-être très frais ici. Non, les températures sont les mêmes. Alors je remarque une chose, vous voyez les pendentifs, non comment on appelle ça, je ne sais plus le terme, enfin voilà, ces choses qui sont pendues comme ça. J'ai le souvenir assez troublant de les voir bouger, alors que je ne sais plus si je me suis assis ou si je suis rentré dans cette pièce, et ces éléments décoratifs, ces suspensions étaient en mouvement. Alors certes, elles sont légères, elles peuvent réagir au moindre courant d'air, mais je vois que là, j'arrive pas, elle bouge, non? J'arrive pas à le voir. Est-ce qu'elles sont en train de bouger? Oui. D'ailleurs, en m'approchant, elles bougent encore plus. Donc elles sont extrêmement sensibles. Voilà, même un moindre souffle, comme vous pouvez le voir, peuvent les faire bouger. Donc il n'y avait rien d'étonnant à les voir bouger il y a quelques temps quand j'étais venu faire ma première enquête ici. Madame, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais dans le cas où ce serait le cas, bien sachez que je vais revenir ici et je vais demander à Didier de m'accompagner et on va tenter de communiquer avec vous comme nous l'avions fait il y a quelques temps
en utilisant une radio. Et j'ai le sentiment d'avoir eu des résultats ici grâce à vous, grâce à votre coopération. Je me trompe peut-être, mais c'est le sentiment que j'ai. Donc je vais revenir avec lui. Et puis nous allons tenter de communiquer avec vous. Et je vous remercie d'avance, si vous faites peut-être l'effort ou si vous faites la démarche, de nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors pour le moment, moi je me sens plutôt bien. J'ai des moments de frissons dans cet étage-là, mais il y fait frais. Les capteurs de température que j'ai mis à différents endroits de la maison permettront de s'en rendre compte. Alors là, il y a un escalier, je vais m'éclairer. Permettront de s'en rendre compte. Je pense que c'est la partie de la maison qui est la plus froide. Et ça se sent terriblement. Ah, cette poupée est juste sordide. Quelle idée de la mettre là. Ce que je pense faire dès maintenant, car il est actuellement minuit 40, donc ça fait, je pense, pratiquement 3 heures que Didier squatte sa voiture à 200, 300, 500 mètres d'ici pour me laisser sa maison. C'est d'ailleurs très très gentil de sa part. Je vais l'appeler et je vais lui proposer de me rejoindre. Et comme nous l'avions fait il y a maintenant quelques temps, on va se réunir ensemble ici et refaire peut-être le tour de la maison et tenter avec lui d'établir un contact. Je me demande même si je ne me rendrai pas directement dans la chambre de sa sœur pour tout de suite essayer la spirit box là-haut. Je suis resté sur ma faim il y a quelques temps, et enfin, depuis cette enquête, et je pense qu'il serait très intéressant de réussir à avoir plus de résultats. Je suis donc en train de descendre les escaliers pour rejoindre le rez-de-chaussée, et absolument rien ne semble me perturber. Pourtant, en visionnant les enregistrements, je vais découvrir quelque chose de discret, mais de suffisamment étrange pour que cela attire mon attention et pour que je décide de l'évoquer dans ce compte-rendu d'enquête. Il s'agit d'un son qui est enregistré par ma caméra principale et qui se superpose sans raison apparente à mes paroles et au bruit de mes pas. Écoutez bien, alors que j'emprunte les premières marches de l'escalier en expliquant ce que je compte faire par la suite, on entend ce qui pourrait ressembler à une courte interpellation mélodieuse, plutôt féminine. Pour tout de suite essayer la spirit box là-haut. Je suis resté sur ma faim il y a quelques temps, et enfin, depuis cette enquête, et je pense qu'il serait très intéressant de réussir à avoir plus de résultats. Quelques temps, et enfin, depuis cette enquête, et 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 je pense qu'il serait très intéressant de réussir à avoir plus de résultats. Après que je l'ai découvert, Didier et moi avons tenté de comprendre l'origine de ce son, mais malgré toutes nos tentatives, nous n'avons pas réussi à le reproduire et à en comprendre la présence. Le plus étonnant, c'est que je ne semble pas l'entendre et qu'il n'est pas audible sur l'enregistrement réalisé par l'enregistreur numérique posté juste sous l'escalier à peine quelques mètres de moi. Cet artefact sonore n'a donc a priori aucune raison d'exister sur l'enregistrement réalisé par la caméra que je tiens dans la main. Et si je ne prétendrais pas qu'il puisse avoir une origine surnaturelle, pour moi, il reste un véritable mystère. Pour tout de suite essayer la spirit box là-haut. Je suis resté sur ma faim il y a quelques temps, et enfin, depuis cette enquête, et je pense qu'il serait très intéressant de réussir à avoir plus de résultats. Donc, je vais poser mon équipement, l'appeler, et je vais poursuivre avec lui. S'il est d'accord, bien évidemment, il est tout à fait possible qu'il soit fatigué ou qu'il n'en ait pas envie, et je le comprendrai tout à fait. Si je devais arrêter cette enquête maintenant, même s'il est finalement encore tôt, les caméras vont continuer de filmer sans interruption, en vision nocturne.
jusqu'à demain. Je pourrais même les laisser tourner pratiquement jusqu'à mon départ. Donc elles pourront capturer, enregistrer, filmer la moindre chose qui pourrait se produire dans tous les espaces qu'elles couvrent. Et de la même manière, les enregistreurs numériques peuvent filmer jusqu'à 15 heures d'affilée et je ne vais pas les éteindre. Donc ça fera beaucoup de choses à écouter, mais je pourrai tout à fait les étudier et les analyser par la suite et peut-être découvrir des éléments qui m'auront échappé ou que je n'aurais pas entendu. Allez, je vais faire une petite pause et je vais tout de suite appeler Didier pour lui proposer de m'en joindre. J'ai donc rejoint la pièce qui sert de QG et je vais immédiatement téléphoner à Didier pour l'inviter à revenir dans sa maison. Quelques minutes plus tard, le voici de retour chez lui. Didier va tout de suite m'interroger sur ce qui aurait pu se passer pendant les 3 heures qui viennent de s'écouler. Je vais donc lui montrer les maigres résultats obtenus avec l'écriture automatique, puis je vais lui expliquer que ce moment de solitude nocturne que je venais de vivre dans la maison a été particulièrement calme, et que rien de notable ou de singulier ne s'est produit. Je vais ensuite lui proposer de prolonger cette enquête ensemble, et il va tout de suite accepter. Je vais donc confier une caméra et une torche à mon hôte, puis nous allons emprunter tous les deux les escaliers qui mènent jusqu'au dernier étage, où se trouve l'ancienne chambre de sa sœur. Nous allons nous y installer avec comme principal projet de mener une séance de Spirit Box comme nous l'avions fait dans ce même endroit il y a 2 ans. Alors donc, ce soir, j'ai décidé, contrairement aux 2 enquêtes précédentes, de ne pas utiliser de cage de Faraday pour isoler la Spirit Box. On va utiliser le bridage interne de l'appareil pour tenter d'éviter d'obtenir des fréquences radio, même si on a découvert que des fréquences pouvaient par moment passer. On va par contre scanner les fréquences différemment. J'ai envie de prendre le temps de le faire. Tu sais, d'habitude, Didier, on a un scan continu des fréquences. Tout à fait. Là, ce que j'aimerais, c'est scanner manuellement pour laisser le temps, si une voix se pose sur une fréquence, qu'elle puisse développer un message plus long. Et où éventuellement, ça nous permettra, si c'est de la radio, de le découvrir. D'accord. Quand ça scanne très vite, en fait, on n'a pas le temps. On entend un mot en passant, un court élément de phrase. Je me dis que si ça fonctionne vraiment, ça veut dire que quand on tombe sur cette fréquence sur laquelle soit un esprit réussit à parler, soit la radio s'exprime, en laissant la fréquence, on pourra avoir un message plus long. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair. Si, c'est clair. Ok, on va tenter ça. Ça va être un peu plus long, donc je vais devoir scanner manuellement. Alors, fonction. On va mettre pas trop fort. Je pense que comme ça c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Je tape parce que c'est pas. Je vais juste m'éclairer le temps. Attends, je vais faire ça. Je te tombe. Voilà, donc l'antenne, eh bien on est sur antenna off, voilà. C'est allumé en rouge. Enfin, vous le voyez pas, mais je l'entends. Et donc le scan manuel, c'est qu'il va falloir de temps en temps que j'appuie sur FWD qui va me permettre d'avancer sur la fréquence suivante. C'est là même le bruit blanc, je pense que... C'est juste bien. Sur du bruit blanc, tu veux qu'on essaye? Ça me paraît logique. Si on a quelque chose, ça serait... Là, il n'y a rien finalement. Je vous montre rapidement quand l'antenne off est activée. Ouais, on le voit bien là. Voilà. C'est ce voyant rouge sur le côté qui indique que l'antenne est... normalement désactivé et que donc les captations radio sont ça, là, c'est clair, a priori impossibles. Je suis curieux de voir si sur une seule fréquence il n'y a rien. Ouais. Finalement, si on parle du principe qu'un esprit peut se manifester, s'il ne peut pas le faire justement sur ce. Ça, c'est plus logique que d'aller scanner des fréquences multifréquences. Alors bonsoir à nouveau. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, quand je suis monté, quand je suis venu jusqu'ici, je me suis adressé à d'éventuelles entités et je me suis permis de m'adresser à ta sœur. D'accord. Et je lui ai proposé de participer à l'expérience qu'on mène ce soir avec nous, avec nous dans cette enquête. Elle aimait ça aussi.
Et je le remercie d'avance si elle est là et si elle accepte de venir. J'entends des bruits, c'est toi ? Ou c'est moi ? C'est toi. Non, c'était plus sourd que ça. Des coups ? T'as entendu aussi un peu des coups ? Pas des coups, enfin je sais pas si c'était des coups, mais c'était quelque chose de. Moi en bougeant comme je l'ai fait, ça le fait pas. Hein. Non. Enfin, ça faisait un peu. Non, pas ça. Bon, bref. Non, c'était plus sourd, mais doux. Ça va être le problème avec la Spirit Box, ça va couvrir un peu tout ce qui pourrait résonner autour de nous. Donc bonsoir, et qui que vous soyez, on a un appareil devant nous, une radio. J'ai pas la certitude que ça puisse nous permettre de communiquer véritablement avec vous. Mais j'essaye. J'essaye depuis longtemps, et si c'est possible pour vous, je vous invite à tenter de vous exprimer sur les différentes fréquences que l'on va sélectionner au fur et à mesure peut-être l'heure qu'on va passer ici avec vous. Est-ce qu'on peut donner le prénom de ta sœur ou pas ? Je mettrai un bip, si tu veux. Oui. Bon, je sais pas. On fait comme tu le souhaites. Tu veux l'appeler ? Tu le connais ? Non, je ne me souviens pas. Mais je crois que je ne l'ai jamais dit en plus. Non, je crois que je ne le connais pas. Ah bah tu veux. Alors ne me dis rien. Voilà, ça a été. Ouais, ne dis rien. Ouais, d'accord. Non, je ne l'ai jamais dit. Alors je vous ai proposé de vous joindre à nous. Je m'adresse évidemment à la sœur de Didier qui est avec moi désormais. Est-ce que vous accepteriez de nous répondre ? Et est-ce que vous accepteriez de le faire principalement à travers cet appareil, en utilisant les fréquences radio ? J'avais une petite sœur. Petite sœur ? Petite sœur, oui. Si t'es là, petite sœur, tu viens. Alors, j'ai effectivement peut-être posé cette caméra. Je vais poser cette caméra, je serai plus à l'aise. Je vais la mettre. Je vais la mettre là. Donc voilà, régulièrement, je vais appuyer sur le bouton qui permet de passer à la fréquence suivante pour. Comment je peux faire ? Parce que je vois pas grand chose et en même temps, j'ai pas envie d'être trop éclairé. Ah, ça va, du coup. Je l'éclaire moins. Ouais. Est-ce que la petite sœur de Didier est avec nous ? On peut faire ça, c'est-à-dire scanner les fréquences une par une. On peut aussi lancer le scan automatique. Et à moi, très rapidement, dès qu'on entend un son, d'intervenir pour stopper le scan, tu vois, et revenir en arrière, par exemple. Pour voir si c'est la bonne fréquence. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? On teste ça ? Oui. Sinon, on en a pour 20 ans. Hein. Je vais aller moins vite. Alors, est-ce que tu vois si le. Je sais pas si la caméra qui est un peu loin va capter le son. Oui. Si, c'est bon. Le lumière qui fonctionne. Oui.
de la radio, ça. Complètement. Donc c'est de la radio. Donc là, on voit bien que le scan, enfin que le filtre ne fonctionne pas. On mélange les mâles. Alors parfois, on va réessayer, parce que parfois, ça déconne, il faut l'éteindre et le rallumer. Je suis plus dans le bruit blanc que dans le... Alors ça marche pas, mais... Je pense que le balayage n'amènera rien. Si ce n'est que ça va prendre des fréquences de radio. Quoi. Je fais fonction. On va laisser scanner un moment pour s'assurer qu'il n'y a pas de... qu'on capte pas la radio. Ah, c'est pas vrai? Même s'il n'est pas en même antenne, il en reste pas moins qu'il y a... lui, il peut faire antenne. Qui ça? L'appareil. Ouais, il y a des fois où j'ai obtenu rien du tout, hein, en mode comme ça. Hein. C'est ça qui me surprend, pourquoi là ça fonctionne pas? C'est pas précis, hein. Alors, en général, quand tu captes l'ardeau, il faut l'éteindre, le rallumer. Et c'est quoi là? C'est une lumière? Ça, oui, ça peut faire lampe. Ah oui. Bon, effectivement, si ça capte la radio, je pense que ça sert à rien de continuer. Parce que la plupart des messages qu'on aura seront tronqués. Oui, complètement. Sauf que je dis, de rester sur un bruit blanc, qui fait que tu es sur une fréquence où il n'y a rien. Ouais. Charge aux esprits de s'arranger pour être là-dedans, si c'est possible. C'est de la radio, ça. France Culture, ça. Que je capte à chaque fois que je fais une enquête maintenant. Ah oui. Ouais. France Culture, a priori France Culture passe à travers le filtre d'Aspirinvox. C'est bien, c'est naturel, c'est la culture. Je les avais en tête. J'allais m'abreuver si je... On va finir par démystifier cet appareil, mais totalement. Non, parce que là, ça fout en l'air tous les résultats obtenus avec cet appareil depuis des... Alors certains prétendent qu'en fait les esprits utilisent les voix de la radio, mais c'est juste impossible. Là on est au-delà de la coïncidence et du hasard. On est vraiment... Je te dis, moi je pense que si vraiment ils devaient utiliser une fréquence, ils iraient sur une fréquence blanche, ce qu'on appelle la fréquence, ouais, le bruit blanc. Alors écoutez, j'ai sélectionné une fréquence, un bruit blanc. Est-ce que vous pouvez utiliser ce son, cette fréquence pour nous parler? S'intégrer dedans. Intégrez-vous à ce son. Si on peut le faire, c'est difficile, mais... J'en sais rien, c'est difficile. C'est pour ça, parce que je sais que l'appareil peut... Ça, c'est jamais... C'est quoi ce dé? C'est la première fois que ça me fait ça. En fait, l'appareil, alors, faut que je vous montre ce qui se passe. Truc de dingue. Alors, peut-être pas, c'est peut-être un dysfonctionnement. Hein. Ça ne correspond pas à mon monde. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça fou. C'est assez dingue. Alors, pour que vous vous rendez compte, il faut que je repasse en... C'est en bleu? Oui, oui, c'est en bleu. Faut que je vous explique ce qui vient de se produire. Regardez, en fait, l'appareil a changé de fonction tout seul. Alors, soit l'appareil a un bug technique, c'est tout à fait envisageable, soit il s'est passé autre chose. En fait, on était en mode FM sur cette radio-là, parce qu'il y a deux radios, et là, en fait, quand c'est en bleu, c'est qu'on est en AM. On est passé du FM en AM automatiquement sans intervention. L'appareil n'est pas prévu pour ça, si tu n'appuies pas sur le bouton. Le truc, c'est qu'on dit
que les entités, les fantômes, ne peuvent s'exprimer que sur les basses fréquences. Et les fréquences à elles sont les basses fréquences. Oui, aussi, hein. Enfin, voilà. Et en général, quand on fait de la... le terme m'échappe, de la... Tu sais, quand on parle avec les appareils, de la... J'arrive pas à retrouver le mot. Quand on utilise une radio pour communiquer avec les défunts, il faut être en AM. Et pourquoi tu le mettais en FM alors? Parce que j'ai toujours utilisé la FM, je sais pas pourquoi. Et là, en fait, on vient de demander... C'est peut-être qu'un pur hasard. Ah, c'est dommage que j'ai pas gardé la caméra. Vous auriez vu le truc changer à deux reprises en plus. C'est revenu en FM et ça s'est remuté. Et là, ça bouge plus. Je vais vous le refaire. En gros, ça, je saurais même pas le faire en fait, parce que il y a même plus, et surtout qu'il y a plus de messieurs en AM. Alors, est-ce qu'il faut appuyer là? Tous les émetteurs ont changé. Et techniquement, personnellement, je saurais pas le faire parce que j'ai le bouton fonction. Mais je sais que le bouton fonction permettra pas de passer de la FM à la AM, aussi vite. C'est, en fait, lui, il permet de défiler des fonctions, d'utiliser deux radios en simultané ou de passer de la FM à la AM. Enfin, je vais te montrer. Ah non, mais je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire sur la machine. Ah non, attends, Didier, tu sais, touche à rien. Non, j'ai juste pas poussé. Tu sais pourquoi? Alors là, on est dans de la spéculation, on est loin, mais imaginons qu'on nous ait entendu et que là, en fait, on nous ait mis l'appareil dans la fonction qui permettrait peut-être justement une communication, parce qu'on n'était pas du tout dans le bon délire, dans le bon truc. Je sais pas si tu me suis. Ça va loin, hein, ce que je raconte, mais. On peut tout imaginer. Autorisons-nous d'imaginer que. Ce que je suis en train de dire, voilà, c'est que peut-être qu'une entité, pourquoi pas ta petite sœur, accepte, mais qu'elle s'est mise peut-être sur le bon canal. Maintenant, il faut qu'on l'entende. Donc, en gros, ce qui vient de se passer, et c'est dommage, j'avais pas la caméra dans la main, c'est que l'appareil, sans qu'on y touche, s'est mis dans une fonction. Il y a elle qui filme, qui l'aura peut-être vu, ouais. S'est mis dans une fonction qu'on n'a pas demandé, toute seule, juste après qu'on ait sollicité. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. De toute façon, ça va être repris. Bon. Mais écoutez, maintenant qu'on est en AM, on est peut-être sur la fréquence que vous souhaitiez. Vous pouvez vous exprimer. Alors, je vais tout simplement vous demander votre prénom, si vous êtes avec nous. Comment vous appelez-vous ? Scotché, ça m'a jamais fait ça. Enfin, je sais que tu regardes mon travail. Et puis d'autres. Et je pense que toutes les personnes qui ont déjà vu mes épisodes l'auront, mes vidéos et mes enquêtes l'auront vu. Jamais cet appareil ne s'est muté comme ça automatiquement d'un canal vers un, enfin d'une fonction vers une autre. Surtout après une. Ah, voilà, c'est ça. Après une demande. Et sans que j'intervienne, enfin. Et sans qu'il y ait un choc, parce qu'on l'a pas bougé, il a pas. Il serait tombé ou on l'aurait manipulé. Moi, je suis une professionnelle parce que je ne connais rien. Enfin, je connais. Ben là, c'est comme si, je sais pas. Je suis radio de profession. Comme si ton autoradio s'était mis en mode CD alors que tu étais en radio sans que tu lui demandes. C'est ça. Ouais. En gros. Ou on serait passé de la FM à la AM sans que tu aies appuyé sur le bouton pour le faire. Après avoir demandé à un esprit de communiquer avec toi. Alors maintenant qu'on est en AM, peut-être sur l'Afrique. Allons-y. Il n'y a pas eu une voix là ? Je suis content, hop, hop, un truc comme ça, mais je parlais en même temps. Alors, on verra l'enregistrement. Est-ce que vous êtes là avec nous ? Est-ce que la petite sœur de Didier nous a entendu et est-ce que c'est... Bon, je vais loin, mais est-ce que c'est elle qui est intervenue sur le fonctionnement de cet appareil ? Après, ce qui s'est passé, peut-être un bug
un bug connu de l'appareil que moi, que, auquel moi j'ai jamais eu le malchance ou l'occasion de. Oui, mais voilà. Mais moi je veux bien, c'est pas un souci, c'est toujours le côté. Le bon moment, le timing. Ah là, oui, depuis, j'ai envie de dire que depuis 2 jours, et même, oui. C'est ce côté-là qui, moi, m'intrigue. C'est pas l'explication elle-même, c'est là, maintenant. Et puis le truc inattendu, et puis pas ce qu'on souhaiterait. C'est surtout ça. Moi, je souhaitais pas que mon appareil se mette à bugger, tu vois. Et finalement, je trouve ça très bien, mais c'est vraiment aux antipodes de ce que j'aurais pu imaginer. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez communiquer à travers la radio qui est posée sur la petite table, sur le bureau? Essayez de nous parler à travers ce son, ce bruit. Quel est votre nom, votre prénom? Ce que je vais faire, je vais poser. C'est un monstre. Alors, t'as vu, ça, c'est beaucoup plus léger. Oui, c'est ce que j'utilisais à l'origine. Je vais faire quelques photos. Je te laisse ici, si tu entends quelque chose, tu me dis. D'accord, j'espère. C'est bien quand même. Je vais faire quelques photos. Si vous pouvez vous mettre devant. Vous mettre devant, ce serait super. Alors le flash. J'aimerais bien quand même que vous bougiez un peu ce moment-là. Je peux pas dire mieux, hein. Parlez. Désolé pour le flash. Il n'y en a pas eu. On a faim. Elle n'a juste pas fini la photo. Le délire. Ça marche plus? Non. Alors, ça c'est neuf. C'est un appareil que je viens d'acheter pour remplacer le précédent. Qui est, je sais pas si tu l'as eu en main, il colle, le plastique est démonté. Il a tendance à tomber en panne très régulièrement, c'est-à-dire que j'arrive en enquête, voilà. Ouais, tu sens quand on le tient. Ah, c'est collant. Ouais. C'est collant. Ça fait, t'as mis de la poudre. Non, c'est avec le temps, c'est un plastique dégueulasse qui fait ça. Ouais. Et aussi, parce qu'à chaque fois que j'arrive en enquête, la batterie tient plus. Alors, je vous explique ce qui vient de se produire. J'en ai marre, j'en peux plus. Voilà, j'ai un nouvel appareil, donc c'est un nouveau Polaroid que j'ai acheté pour remplacer le précédent qui est ici, que vous connaissez, que vous avez vu en enquête. Et qui systématiquement me lâche. Donc je l'emmène toujours, mais j'ai eu envie. Alors il va fonctionner, lui, j'imagine, en plus. Là, c'est lui. Ça, c'est la photo qu'on a prise hier. Magnifique orbe. Et cet appareil-là vient de bugger, c'est-à-dire qu'il est en train de faire une impression. Et l'impression, c'est pas finalisé. Et pourtant, il est neuf, il est chargé à bloc. Il était encore en charge ce matin. Dans le QG, il était en charge. Ah non, mais il veut plus, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je viens plus chez toi, ça pète tous mes appareils. Ah, mais il a plus de batterie. Regarde. Il a plus de batterie. Ah si, 3. Mais pourtant, je comprends pas. Et alors, pareil, tu vois, le flash aurait dû... On va devoir tirer dessus, de toute façon, vas-y. On va voir ce qu'elle développe, ça se trouve elle avait développé quelque chose. Il faut attendre. Ah. Je retente. Tu fais régler. Tu jongles là. Il y a rien qui s'est déclenché. Le flash fonctionne pas. Hein. Et pareil, là la photo elle n'est pas sortie complètement. Normalement elle devrait être. C'est n'importe quoi.
pris des... J'ai des belles photos grises là. Ouais, mais il faut attendre que ça se développe. À ce point-là. Ouais. À l'époque, voilà, ça existait. Non, ben voilà, il est complètement à l'ouest. J'en peux plus. Alors cet appareil est neuf, il a très bien fonctionné, j'ai fait des essais, j'ai fait des photos avec. Ça marche normalement très bien. Je saisis pas là ce qui se passe. Hein. En fait, il n'y a rien de... Il n'y a certainement rien de paranormal. Peut-être que la radio a bugué. Peut-être que la porte qui s'est fermée tout à l'heure violemment, c'est un coup de vent. Peut-être que le tableau qui est tombé, c'est le hasard, il a glissé. Peut-être que la panne de courant, effectivement, c'est juste dû à la tempête. Et effectivement, voilà, effectivement, ça, c'est vraiment du hasard. Ça tombe mal, on va dire. Peut-être que mon appareil photo tout neuf, qui ne fonctionne plus précisément ce soir, hein, pas un autre moment, maintenant, et ça se trouve demain, il va très bien marcher, quand je vais rentrer chez moi, c'est ça. Peut-être que tout ça n'est que le fruit du hasard. Mais au bout d'un moment, t'as l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues, quand même. Ouais, mais on t'a le fait pour faire marcher, c'est normal. Ben, je sais pas, t'as dû appuyer dessus, sur le bouton, fais voir. Il faut... Ouais, il faut manier un papier. Alors, fais voir ce que t'as pris. On va regarder les photos de Didier. Alors, pour le moment, on n'entend aucune voix dans la radio. C'est difficile à mener, cette enquête, hein. Ça, c'est des photos que j'ai prises hier soir. Et alors, juste ici, je vous montre hier soir, sur cette photo, on avait... Bon, je vous la montre juste par curiosité, parce que c'est toujours intrigant. Mais bien entendu, je n'affirme absolument pas que ce qu'on voit là, ce point blanc, soit la manifestation d'un esprit ou d'un fantôme. En tout cas, sur la photo, voilà ce qui est apparu. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tu as pris ce soir? Voilà, en sachant que sur les autres photos, regardez, j'ai pris juste après, le point blanc n'y est pas. Ah, t'as fait une vidéo. Tu fais une vidéo? Ouais, c'est pour ça. D'accord. C'est ma faute. Ah, je vais essayer de faire des photos de mon côté. Ça marche pas. Ça suffit, hein. Ah, t'arrives à la... Non, j'ai changé le club, hein. J'ai une belle photo de toi. Donc écoute, je vais faire des photos avec cet appareil-là, pour le coup. Je te laisse manipuler la radio. Ça me rappelle quand j'étais gamin. Ah bon? Oui, mon grand-père avait un appareil, un gros appareil de radio. Il faisait toutes les fréquences, mais c'est ce qui m'a donné envie de faire ensuite radio dans la marine. Et j'écoutais des fréquences comme ça. J'écoutais des sons. J'avais 8-9 ans. Et j'étais fasciné par ce bruit. J'étais aussi fasciné par le morse, en fait. C'est repassé en FM? Oui. Bon, elle est buggée, là, c'est pas possible. Tout déconne, là, ce soir. Enfin, tout, pas tout, mais certains appareils. Là, tout est passé. Est-ce que c'est vous qui intervenez sur les appareils? Moi j'ai l'impression en fait que concernant l'autre Polaroid, c'est la batterie qui est complètement en HS. Pardon pour le flash. Alors qu'elle était... Il était chargé. Il est tout neuf en plus cet appareil. C'est fou. Ah oui, c'est ça que... Ouais. Bon.
il est plus repassé en... Bon, et vous allez nous embêter longtemps, là ? Sur FM et AM en même temps. Mais la fonction ne fonctionne pas. Comment tu fais pour changer les choses ? Ah là ? Non, mais pas. Bon, c'est bizarre. En fait, il n'y a pas de photo prise en fait. Si, tu sais ce qui est incroyable, on dirait un paysage. Mais bon, c'est lié au fait que la photo ne s'est pas développée. Bon, c'est passé en fait. Ouais. Alors, cet appareil vient de s'éteindre. Merci. Alors, j'ai lancé une impression. J'ai une très belle photo de toi. Je voulais te l'offrir. Je voulais l'imprimer et te l'offrir. Oui. Vous vérifierez, parce que j'ai montré tout à l'heure sur l'écran, je crois qu'on voit, c'était full batterie. Hein. Donc, oui. C'est pas un problème de batterie a priori, il est éteint. Il vient de s'éteindre. Là, j'avais lancé l'impression et je remarque qu'il est éteint. J'y ai pas touché. Alors, j'essaie de le rallumer. Bon, je te jure, c'est général. Est-ce que vous avez fini de vous amuser avec nous là ? J'ai pris des photos hier soir, j'en ai même imprimé, je vous ai imprimé les orbes. Oui, il y avait même trois fois. Ça a très bien marché. Oui. Et là, pareil, je l'ai mis à charger ce matin, il est plein, il est full. Et encore, je l'ai mis à charger juste par précaution. Comment je fais maintenant ? Ah, j'en ai marre. Chère maison, est-ce qu'on peut passer au sérieux là ? Est-ce que vous avez pas vraiment envie ? Ou est-ce que vous attendez qu'on aille se coucher pour commencer à faire ce que vous aviez fait la dernière fois ? Mais je crois qu'ils font beaucoup, hein, si c'est... Mais c'est... Là, on va... Le problème que j'ai... Faut que je me lève, j'ai mal au dos. Le problème que j'ai personnellement, c'est que... Je vais repasser en nightshot. C'est que un appareil défectueux, je veux bien. Mais là, on est à combien ? 2, 3. En moins de 20 minutes passées dans cette pièce, 3 de mes appareils viennent de connaître tour à tour des dysfonctionnements inattendus. Et dans ces circonstances, il est difficile de garder la tête sur les épaules et il est difficile de ne pas se laisser aller à imaginer des scénarios irrationnels. Il y a tout d'abord la Spirit Box que nous avions laissé allumer sur une fréquence qui va changer de fonction sous nos yeux, passant seule à plusieurs reprises du mode FM au mode AM sans notre intervention avant de devenir inutilisable. Un changement automatique qui, à moins que l'on appuie sur des boutons ou à moins que l'appareil ne soit en panne, n'est absolument pas normal. En 5 années d'utilisation de cette radio, pendant de longues heures, dans toutes sortes de lieux et de conditions, jamais un tel événement ne s'est produit. Et pour avoir interrogé d'autres utilisateurs, personne ne semble avoir jamais rencontré de situation similaire. Le plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui ma Spirit Box fonctionne parfaitement, et qu'après plusieurs essais, avec la même pile que celle utilisée pendant cette enquête, l'anomalie de fonctionnement qui a eu lieu dans le grenier ce jour-là ne s'est jamais reproduite. Le deuxième fait étonnant, c'est le dysfonctionnement d'un nouvel appareil photo reçu quelques jours avant mon séjour chez Didier et acheté spécialement pour cette enquête. C'est un produit neuf que j'ai testé, qui fonctionne et qui était encore en charge le matin même. Pourtant, lorsque je vais vouloir l'utiliser, le flash ne va pas fonctionner et les photos ne vont pas s'imprimer, restant coincées dans l'appareil. Des problèmes qui peuvent être rencontrés lorsque la batterie de l'appareil photo est vide, mais dans le cas présent, ça n'aurait pas dû être le cas. Une chose est sûre, le flash fonctionne, il prend des photos, il imprime, et il me suivra certainement dans de futures enquêtes. Le troisième équipement, qui va lui aussi faire des siennes, c'est mon ancien appareil photo, qui me suit depuis plusieurs années. En dehors de sa surface en plastique devenue collante avec le temps, si j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des problèmes de batterie, cet appareil n'a jamais connu de dysfonctionnement particulier. Et la panne dont il est victime ce soir n'a a priori aucune raison d'être. Comme le reste de mon matériel, cet appareil fonctionne parfaitement bien aujourd'hui, et il est possible de prendre et d'imprimer des photos sans aucun problème.
Cette série de bugs n'est très probablement que le fruit du hasard, mais elle est suffisamment improbable pour que l'idée que quelque chose d'autre soit à l'œuvre nous traverse l'esprit. J'essaye évidemment de rester objectif et rationnel, mais comment ne pas avoir l'impression que quelque chose sabote mon enquête, ou qu'une forme de malchance invraisemblable s'est abattue sur moi et sur mon matériel ? Dans tous les cas, je dois faire face à une situation déroutante qui n'a peut-être rien de surnaturel, mais que je n'ai jamais vécue jusqu'à ce jour. Attends, on va regarder s'il n'y a pas des champs de... Vous n'êtes pas sérieux là, ici. C'est dérangeant. Alors, grosse fluctuation, EMF. Attends, peut-être aussi... Attends, arrêtez le wifi d'ici. Mais alors, non, laisse-le, parce que ça va être l'occasion de faire une petite démonstration d'un appareil. J'aime bien. Tu remarques que ma torche n'éclaire plus, celle-là. En même temps, elle a beaucoup servi. Hein, mais... Ok. Ah ben voilà, ça s'est arrêté. Attends, c'est pas elle quand même qui influe. En fait, là, il se passe des trucs techniques. Je m'excuse, hein, c'est un peu le bordel, mais il se passe des trucs techniques que je saisis pas. Ah oui, là, c'est celui qui va te donner... C'est celui qui va me permettre de savoir d'où ça vient, c'est pour d'accord, ça. Le wifi. C'est l'occasion de voir si on a affaire, justement, via la fréquence à l'appareil. Mais en vrai... Ah oui, non, c'est un émetteur aussi. Il est récepteur-émetteur, lui. Tu sais comment s'en approcher. Effectivement, il y a du... Oui, il y a de la radiofréquence. Oui, c'est un modèle. Il y a de la radiofréquence. Ah oui. Effectivement. Non, c'est peut-être la source du déclenchement. Ah là, on est en train de voir. Donc rien de paranormal. Mais par contre, je peux l'éteindre. Vas-y, éteins-le. Alors là, j'éteins. Et est-ce qu'on a... On a pour rien, là. Après, il me reste peu de batterie sur cette caméra. Combien tu lis là-bas? J'arrive pas à voir. 52 minutes. Tu l'as éteint? Quoi? Ah oui, là, j'ai éteint. Et c'est toujours de la radiofréquence. Alors attends, j'ai peut-être... Moi, je sais que ma GoPro dégage un champ... On peut dégager du Bluetooth, j'ai même. J'ai mon téléphone. J'ai ma montre qui dégage du Bluetooth. Ouais. Mais bon, on s'en fout, on est sur de la radiofréquence. Okay. On sait que... Voilà. C'est de la radiofréquence, rien de paranormal, c'est un wifi, c'est une onde radio, c'est... Et si tu le mettais là, ça serait pareil? Je sais pas. Il serait... Attends, on va voir. Tu le scannes? Bah oui, excuse-moi, professionnellement... Tu peux de la caméra? Ah non. Est-ce que j'ai pas monté? T'as ton téléphone tout de suite? Non, j'ai pas de téléphone. Je l'ai, je crois, moi. Mais non, je sais pas si je t'ai appelé, c'est vrai. Il est peut-être pas en mode... Non, il est pas en mode avion. Voilà, c'est lui. Regarde. Ouais, parce que là, tu viens de dire... Voilà, je suis en mode avion. Donc... De toute façon, peu importe, c'est une radiofréquence. Donc c'est forcément pas ce qu'on cherche. Face aux nombreux problèmes techniques que j'ai rencontrés avec mon matériel, j'ai pensé qu'une forte perturbation électromagnétique pouvait peut-être être à l'œuvre. J'ai donc déployé mes détecteurs pour le vérifier. À notre grande surprise, le K2 va immédiatement réagir. Mais nous allons rapidement démystifier la source de ces champs électromagnétiques qui s'avéraient être de simples radiofréquences. Nous allons rester encore un moment dans le grenier et aucun de mes détecteurs EMF ne va plus réagir. Nous ne constaterons bien heureusement plus aucune autre panne technique et malgré tous mes efforts, absolument rien de particulier et de significatif ne va se produire. Face au silence et au calme absolu qui règne désormais dans les lieux, je vais décider de mettre un terme à mes interpellations. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais, je pense que Didier aussi, on va aller se coucher. Et puis on aura fait notre maximum. Moi j'ai fait mon maximum. Là j'ai l'impression d'être face à un mur et je peux pas faire plus quoi. Donc à vous maintenant de prendre les choses en main et si vous le souhaitez, sans nous effrayer trop, mais vous pouvez, ça va suffire. Mais vous pouvez toujours vous approcher. Ou en tout cas vous approchez des équipements qui sont installés dans la maison, que vous avez pu peut-être remarquer.
Ah, ça, je pense qu'ils ont remarqué. Je pense qu'ils ont dû remarquer, oui. Qu'il y avait du changement. Il y avait quelques câbles. On compte sur vous. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous êtes exprimé, je ne sais pas si vous vous êtes manifesté, mais si c'est le cas, je vous en remercie profondément. Mais ça, tu le sauras que à ton retour. Je le saurai peut-être jamais, parce que si certaines choses qu'on a vécues, enfin que j'ai vécues ou qui se sont passées sont de leur fait, eh ben, c'est difficile de le savoir. Oui, mais enfin, à ce moment-là, ils n'ont pas fait le message en complet. Ouais, il faut qu'ils parlent. Parler, enfin je sais pas, moi j'ai besoin de savoir qui est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ma famille? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est d'avant? C'est ça que j'aimerais savoir. Qui je côtoie depuis aussi longtemps? T'as rien dessus. Il y a un truc qui aurait plu à mon père, c'était le térémine. Bah écoute, je le laisse ce soir. On nous réveillons en pleine nuit. Tu dors en dessous, hein? Ah oui. T'es juste en dessous. D'accord. Bah écoute, je l'entendrai. Ah, c'est clair, si tu vas sonner. Ah, ça c'est clair, tu vas l'entendre si jamais. Allez, faites-moi ça, tiens, allez. Bon, allez, moi je range mes affaires et je vais me coucher. Merci beaucoup. Et peut-être dans la nuit ou sinon. À demain matin. À une prochaine fois. Donc, on met un terme à cette, entre guillemets, enquête, qui a été un peu particulière, inattendue, je ne m'attendais pas à ça. Une nouvelle fois, des choses surprenantes qui se produisent. Non, mais lui, il a complètement pété un câble, ce truc. Attends, il est dans son bouchon. Il a sorti une photo ? C'est sur ce dernier soubresaut de mon appareil photo que je mets un terme à cette soirée d'enquête. Si les événements qui se sont produits ce soir sont plutôt étonnants, rien de profondément inexplicable ne s'est finalement produit. Malgré notre déception commune, l'heure tardive et l'état de fatigue qui se fait ressentir vont nous pousser à quitter le dernier étage de la maison, et il est plus de 2h du matin quand nous rejoignons nos chambres respectives. Je vais immédiatement me coucher, avec cette fois-ci l'esprit bien plus léger que la veille. En effet, la maison est entruffée de caméras, d'enregistreurs et de capteurs en tout genre qui sont censés pouvoir surveiller à ma place pratiquement toutes les pièces jusqu'au matin. Je n'aurai pas besoin de rester vigilant et attentif comme je l'ai été la nuit précédente, et je vais peut-être pouvoir dormir un peu plus, et un peu mieux. La nuit a été courte. C'est pas facile. J'ai plus ou moins bien dormi. Je me suis réveillé, je crois, vers 6h30, si je me souviens bien. Avec un petit passage à la salle de bain. J'ai réussi, tant bien que mal, à me rendormir. C'est toujours difficile, malgré la fatigue, de retrouver le sommeil dans ces cas-là. Et ce matin, donc, la porte n'est absolument pas ouverte. Contrairement à ce que j'avais vécu lors de mon enquête précédente. Donc deux nuits passées et deux nuits où, à mon sens, il ne s'est rien passé. En tout cas, depuis mon lit, je n'ai rien entendu de particulier, rien vécu de particulier. Enfin, je ne crois pas. Et puis, il reste donc à savoir ce qu'il en est de Didier, qui a dormi donc dans une autre partie de la maison, sa chambre étant de l'autre côté du bâtiment. Et il reste aussi à analyser bien toutes les caméras qui sont installées un peu partout. Je vais rejoindre Didier, qui est peut-être déjà levé, je vais découvrir ça, et puis prendre mon petit déjeuner. Et je dois repartir dans l'après-midi, donc ça va m'imposer de très rapidement peut-être débriefer avec Didier, et puis ranger tout ce matériel avant de pouvoir reprendre la route. Et ça, c'est un sacré boulot aussi. Là, à chaud, je vais pas faire de débrief parce que je suis déjà pas en état ce matin, et puis parce que je pense qu'il y a un gros travail d'analyse à faire avant de pouvoir dire quoi que ce soit sur cette enquête.
monsieur Prudhomme, c'est enregistré par les caméras ce que vous faites. Bonjour Didier. Salut. T'as bien dormi ? Courte nuit. Mais Pourquoi court ? Parce que un petit peu de mal à m'endormir, comme la nuit précédente, réveillé vers 6h30 je crois, avec une envie d'aller aux toilettes tout simplement, ouais. Puis un peu de mal à se rendormir derrière parce que ça cogite, et puis là je me suis réveillé une petite heure, donc je me suis laissé le temps de me reposer, de me remettre. T'as bien fait, il y a un bon café qui est prêt. Je vais aller boire ça, et puis alors rien vu, rien entendu, et puis pas de porte ouverte ce matin. Non, c'est décevant même des fois. Hein. Comment tu le sais que la porte n'est pas ouverte ? T'es venu voir ? Non, j'ai vu. J'étais voir la caméra, voir si tu dormais, si je devais aller te faire un café. Donc j'ai regardé, j'ai dit tiens, ah oui, la caméra, la porte n'est pas ouverte. D'accord. Tu sais, sur le. Ah, t'es venu m'observer sur l'écran. Non, je voulais voir si tu dormais parce que j'avais cru entendre t'entendre te lever et en fait. À quelle heure ? Bah, quand je me suis levé, il devait être, je sais pas, 8h30. Ah oui, non, parce que je me suis levé vers 6h30. Non, 8h30. D'accord. Bon, ben petit-déj. Didier et moi n'avons donc absolument rien remarqué de particulier pendant la nuit. Et en dehors de nos besoins naturels, rien n'aura troublé notre sommeil. Bien évidemment, nous n'oublions pas que 8 caméras infrarouges et 2 enregistreurs numériques installés depuis la veille à différents endroits dans la maison ont surveillé les lieux en continu pendant toute la nuit et fonctionnent encore actuellement. Si nous n'avons rien vu, rien vécu ou rien entendu, peut-être que mes appareils auront de leur côté capturé quelque chose. Ce sont donc plus de 300 gigaoctets d'enregistrement et plus de 150 heures de données audiovisuelles que je vais par la suite visionner, écouter et analyser. Un travail colossal de plusieurs semaines que je n'avais encore jamais eu l'occasion de mener pour aucune autre de mes enquêtes. Après plus d'un mois de travail d'analyse, et après avoir passé au crible l'ensemble de ces enregistrements avec l'espoir de découvrir quelque chose d'extraordinaire ou de surprenant, je constaterai malheureusement qu'absolument rien de particulier n'aura été capté par mes appareils. Je ne remarquerai aucun mouvement suspect, ni aucun déplacement étrange, et je n'entendrai aucun son inhabituel, ni aucun bruit inexplicable. Si tout ce dispositif de surveillance n'a donc rien révélé qui puisse attester de la possible hantise des lieux, mon séjour aura malgré tout été marqué par quelques moments étonnants. Le plus inquiétant d'entre eux étant ce violent claquement de porte survenu quelques minutes après que je me sois retrouvé seul dans la maison. Ce matin, le vent s'est levé et souffle assez fort. Je vais donc laisser une caméra dans le couloir qui fait face à la porte des toilettes ouverte. Et je vais passer une bonne heure dehors pour filmer l'extérieur de la maison. Malgré une météo clairement agitée et venteuse, à aucun moment la porte ne va bouger ou se refermer toute seule. Si cela n'exclut absolument pas la possibilité qu'un courant d'air ait bel et bien été responsable de sa fermeture soudaine hier soir, cette vérification matinale ne permet pas non plus d'exclure que quelque chose d'autre ait pu se produire. Et pour l'heure, cet événement qui m'a glacé le sang restera donc un mystère. L'autre élément qui est pour moi le plus inexplicable et le plus saisissant de mon séjour, c'est ce son, ou plutôt cette sorte de murmure, que mes caméras vont enregistrer le soir où nous avons pratiqué une séance de Ouija. Un son qui semble venir de nulle part et que nous n'avons pas réussi à expliquer et à démystifier. C'est trop tôt pour commencer à tirer des... On ne peut bien évidemment pas exclure qu'une explication rationnelle existe, mais cette anomalie sonore est une des plus étonnantes, une des plus claires et une des plus glaçantes qu'il m'ait été donné d'enregistrer avec une caméra lors d'une enquête, et sa présence est une véritable énigme. Ce deuxième séjour chez Didier n'aura pas permis d'éclaircir le mystère de la porte qui s'était ouverte il y a 2 ans dans ma chambre pendant mon sommeil. Mais cette nouvelle enquête aura été ponctuée par plusieurs événements inattendus et par de nouveaux éléments troublants qui, s'ils ne sont pas totalement inexplicables, m'éloignent encore un peu plus et bien malgré moi du rationalisme dont j'essaye de faire preuve, généralement. Si je suis incapable de dire si cette maison est tentée ou s'il s'agit d'un lieu propice aux manifestations étranges ou surnaturelles, je ne peux pas non plus réfuter le fait que des événements étonnants s'y produisent et que des coïncidences surprenantes ont eu lieu pendant mon séjour. Une chose est sûre, mes enquêtes dans cet endroit font partie de celles qui m'auront marqué et le plus étonné. Pour moi, il s'agit très certainement d'un des rares lieux favorables aux investigations paranormales. Peut-être faudra-t-il un troisième séjour pour réussir à percer le mystère de la maison de Didier. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant mon absence ?
Ça n'a pas bougé. Et ça a bougé un peu. Ça saccade. Il est revenu sur le H à nouveau. Ça saccade très légèrement. Bon, ah. HS, c'est hors service, c'est HS. C'est bizarre, hein. Deux fois HS, un nouveau H, quand il est parti, il repartait sur le H. Un appareil défectueux, je veux bien. Mais là, on est à combien ? Deux. Trois. Là, on est à trois appareils défectueux.